Charon à nouveau bloqué par Yacobo. Autre tir, celui de Scoubert. Bloqué à nouveau. Autre tir bloqué. On met les dans l'enclave et c'est Scoubert qui reprend vers Charlebois. Tir stoppé. Et contre Édouard Charon ou c'est Nicolas Giroir. Chance certaine, les Voltigeurs prennent les devants 1-0. Le reprend. En coin de patinoire. Passe au point d'appui. Gravel. Vers de gagner. Tire contre cette rondelle qui se fera un chemin entre les jambières du gardien de but de la Pena. Et l'égalité créée alors que Nicolas Giroir. Peressonco. Peressonco du côté droit derrière le filet maintenant pour chasser par Dion. Peressonco toujours par son point d'appui. C'est intercepté par Scuba. Attention à 2 contre 1 avec Charon devant Sévigny. Scuba du côté droit. Un tir contre Brandon Scuba. But marqué en désavantage numérique. Et c'est un 11e cette saison. Voilà, Fabian Hoheger est de retour sur la surface de jeu. De Gagny passe vers Paré. Paré qui va d'un petit lumble qui a été touché par. Tir contre! Quel tir d'Anthony Poulain! Tir sans avertissement dans la lucarne et Timur Neklok, c'est ça? C'est remporté par les Voltigeurs. Gauthier qui perd le disque. Michaud s'avance, un tir bloqué par la Pena. Au retour et contre! Et Mihal Abramov donne les devants au Tigre, c'est 3-2. Importante délégation victorieuse. Giroir s'amène rapidement, là. La politique de Victoriaville, son 22e de la saison, comptée par le numéro 9, Mihal. Les étudiants 18, Nicolas Santion, et 55, Jérémy Michaud. Ramon pousse contre la rampe. La Pena fait dévier en coin de patinoire. Gauthier qui vient rejoindre Abramov. Mauvaise remise de Giroir, un tir con. Egor Serdiouk, c'est Nicolas Giroir qui s'en voudra. Il avait tout le temps voulu le long de la rampe et les Tigres prennent les devants par 3. C'est Midion à l'espace, ça avance, un tir bloqué dans l'enclave. Charon s'amenait pour le retour, mais un tir qui cependant a été bloqué. C'est Abramov qui va s'amener seul devant la Pena. Abramov tire, arrête, la mitaine de Francesco. La Pena qui... Vincent Sévigny installé derrière le filet de son gardien. Peressonco entre du côté droit. Peressonco tentait de remettre vers Poulain. Ils sont pris par Sévigny au point d'appui. S'avance, un tir et con. Et cette rondelle qui a dévié à 2 reprises pour se retrouver derrière Francesco La Pena et c'est 6-2. Mecla. Mecla qui transfère vers Simoneau. Simoneau vers Dufour. Tire, elle touche le poteau. Dion retour. Quel arrêt de Yacobo du bout du bloquant. Wow! Bon match pour le Canadien face au Lightning. Et également, attention, laissez l'échappée de William Dufour. Ça mène seul devant Yacobo. Tire. Oh, quel arrêt de Yacobo! Alors qu'il contacte en plus avec son défenseur de gagner dans l'enclave. Tire de Simoneau. Quel arrêt de Yacobo encore! Wow!